Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous présente un nail art très pailleté, c'est vraiment rapide et facile à faire, c'est vraiment à la portée de toutes les débutantes, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Pour le matériel, vous aurez besoin de paillettes en poudre très très fines, de gel blanc sans résidus, d'un pinceau à gel de détail et de petites brosses pour enlever les paillettes. J'ai posé mon vernis de base qui est un vernis violet mat, mais je l'ai matifié en plus avec du top coat pour que ça soit vraiment, vraiment mat. Et lorsque votre vernis est extrêmement sec, c'est vraiment important pour surtout pas que les paillettes ne collent par-dessus, donc vraiment très très sec, je vais dessiner avec mon gel par-dessus. Donc il n'y a pas besoin de faire une couche épaisse, il ne faut pas que ça fasse un gros boudin parce que déjà le gel peut couler si on en met trop. Et puis après ça va faire un gros pâté de paillettes, donc c'est pas top. Donc je dessine normalement en fait avec mon gel et ensuite je prends les paillettes en poudre super fines, hein, sinon c'est pas joli si elles sont pas fines. Vous pouvez aussi utiliser du pigment, il n'y a pas de souci. Je saupoudre sur le gel tant qu'il n'est pas encore catalysé. Je tapote sur mon ongle pour faire vibrer les paillettes et que vraiment elles collent super bien. Éventuellement je ramasse les paillettes qu'il y a sur la table et je remets par-dessus plusieurs fois. Puis je catalyse. Donc le dessin, vraiment faites un dessin assez, assez simple, assez grossier on va dire entre guillemets, c'est-à-dire pas un dessin compliqué avec plein d'arabesques et tout, j'ai essayé et je trouve qu'avec des paillettes c'est pas très joli. Je préfère vraiment utiliser la résine, faire l'effet sucre classique quand je fais du dessin compliqué. Mais quand c'est des paillettes, vu que c'est déjà bien bling bling, je me contente vraiment d'un dessin très très simplifié, on va dire, pour que ça rende bien en fait. Après, on fait comme on veut, hein, mais moi je préfère comme ça. Donc là, je vous remonte, j'ai fait le dessin, je prends mes petites paillettes en soufflette là, c'est assez pratique. Faut pas appuyer trop fort, par contre, j'en mets partout sinon. Donc voilà, j'en mets partout, je fais un dégradé avec 3 paillettes de couleur. Je tapote sur mon ongle pour bien les faire et je catalyse sous la lampe LED ou UV, tout dépend de votre gel. Ensuite, je prends la petite brosse et je frotte bien fort pour enlever les paillettes. Puis, avec un cure-dent, je gratte ce qui s'est mis un peu sous ma peau. Je gratte aussi un petit peu entre le motif parce que des fois, ça colle un peu à côté. C'est pour ça qu'il faut que votre vernis soit bien sec. Et voilà le résultat, c'est vraiment tout simple. Je ne recouvre surtout pas de top coat, sinon ça gâche cet effet de contraste de texture. Voilà, donc on peut aussi le faire sur les objets, il n'y a aucun souci, ça tient super bien. Niveau tenue, il n'y a aucun souci, c'est juste que ça gratte un tout petit peu, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Voilà, sinon ça tient super bien. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.